mon fils. J'entendais pas. Viens me rejoindre. Vois. Regarde le domaine de cette coursive. Il s'étend devant nous, en contrebas de ce mur d'enceinte qui nous protège. On domine la vallée. La froideur du matin me réjouit. J'aime ces lambeaux de brouillard qui voyagent sur notre fleuve. L'odeur de la terre, le calme avant l'effervescence de la journée. Si tu écoutes pourtant, tu entendras la pigrièche jacasser, le gibier froisser les ailes, la vipère se faufiler, la biche aux aguets, le faisan qui glapit. Mais tu sais tout cela. Tu sais aussi toute l'activité humaine, le travail du tisserand, du forgeron, du meunier, l'entretien des berges, le halage des navires. Mon cœur est fier de cet endroit, de ce que nous en avons fait. Les souvenirs qui sont liés renaissent les uns après les autres et je les regrette déjà. Je regrette le temps où tu courais dans l'escalier creusé dans la roche, le temps où tu apprenais à lire ou à chasser. Depuis la mort glorieuse de ton père à la bataille d'Azincourt, toi et tes frères m'avait donné de la force. Nous n'avons pas été épargnés. Les maladies, les disettes, des combats. Mais notre terre est fertile, notre fleuve ouvert aux marchands. Et nos forêts giboyeuses, nos gens vivent bien. Mon filleau, mon cœur saigne. Nous allons devoir quitter tout cela. Renoncer aux beautés de la vallée, à nos falaises, à nos biens. Par avance, pardonne-moi de t'imposer ce sacrifice. Je ne t'entends pas pleurer. Et ton silence résonne comme un reproche. Mon fils, je ne pleure pas. C'est comme un orage sec en plein été. Ma tristesse est sans larmes, mais non sans émotion. C'est que j'ai longtemps réfléchi, pesé le pour et le contre, comme on pèse le blé, le sel, l'huile ou le vin. Mais que faire de mesurer ma volonté? À la grâce de Dieu, j'ai tranché. Le roi d'Angleterre me donne le choix entre lui prêter allégeance ou quitter le château. Bien sûr, nous aurions pu nous en remettre à ce roi et continuer à jouir de tout ce que tu vois là. Mais je laisse parler mon cœur, mes convictions profondes que je ne peux renier. Et je reste fidèle à mon roi.
perdre la roche est un déchirement. C'est comme la longue plainte d'une aune de soie déchirée par le foulon. Mon cœur est pareil à la fibre qui gémit sans fin. Mon fils, un long chemin semé d'embûches t'attend. Elles te rendront fort. Par cette décision, je t'enseigne la loyauté, la fidélité, la patience et la persévérance. Tu comprendras plus tard que c'est mon ultime présent. Mon fils, je ne t'entends pas pleurer. Et je pleure sur ce passé, car c'est déjà le passé. Mon fils, je ne t'entends pas pleurer. Et je te regarde enfin. Je te crée. Tu reviendras à la roche Clion. Ça fonctionne, oui. Bonjour Valérie Touré, merci beaucoup d'être présente ici. Vous êtes historienne, médiéviste, professeure des universités, agrégée d'histoire. Vous êtes notamment à l'université de Cergy. Depuis votre thèse, vous êtes surtout intéressée à la période dite de la guerre de 100 ans, et notamment sur tout ce qui concerne la criminalité, la violence. Je cite quelques-uns de vos livres, « Crime et châtiment au Moyen-Âge »,« Robert de Sarrebruck » ou « L'honneur d'un écorcheur », peut-être qu'on aura le temps de parler un peu des écorcheurs, « Le drame d'Azincourt », »,« Histoire d'une étrange défaite » et votre dernier livre, et on en parlera, du personnage qui s'appelle Jeanne d'Arc, publié en 2020. Alors, on va faire un saut dans le temps. Bon, à La Roche-Guyon, c'est assez facile, puisqu'on a un chronoscaf. Et je vous propose de nous retrouver en 1419, juste avant l'assaut contre le château de La Roche-Guyon. Et avant de parler de cette jeune femme que nous venons de voir, Perrette, je vous demande, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau? Qu'est-ce qui se passe dans cette région, dans ce royaume éclaté en 1419? Bien, merci de m'accueillir dans ce lieu que je connais un peu, pour y être venu à différentes reprises. Effectivement, on change d'époque, on change de configuration aussi. Je vais y revenir après cette parenthèse. On va parler d'une femme qui est profondément imprégnée par son contexte et qui a réellement combattu. On est loin des femmes pieuses cette fois-ci. Cette période est effectivement sans doute la plus difficile pour le royaume de France, peut-être l'une des plus difficiles de son histoire, puisqu'on est en plein dans la guerre de 100 ans, dans la deuxième phase de la guerre de 100 ans. La première moitié du XVe siècle est la plus dure, à la fois pour les populations, mais aussi pour la noblesse, qu'on va évoquer à travers Perrette. Elle a commencé quand pour vous, cette guerre de 100 ans, simplement? Parce que les historiens ne sont pas toujours d'accord sur la date. Elle commence en 1337 avec la saisine de la Guyenne, qui est cette enclave anglaise dans le royaume de France. Et comme vous le savez sans doute, même si on ne l'apprend plus tellement, la guerre de Cent Ans est une querelle dynastique entre le roi de France et le roi d'Angleterre, liée à un changement de famille, puisque ce sont les Valois qui arrivent sur le trône, alors que les Anglais revendiquent ce titre aussi par l'héritage, mais cette fois-ci par les femmes. Les femmes jouent un rôle très important dans cette guerre de différentes manières. Au moment
qui nous intéresse, il faut avoir à l'esprit que non seulement la France est en guerre, mais la France est aussi déchirée par la guerre civile. Alors, comment faire simple hein, pour évoquer un contexte politique aussi compliqué. Le roi Charles VI, qu'on va évoquer à travers le parcours de Perrette, est un roi qui accède de très jeune sur le trône. C'est toujours une situation de fragilité politique. Donc on va avoir des querelles très violentes au sein de la cour qui vont opposer, pour faire simple, deux grands partis, le parti du duc d'Orléans, qui va devenir le parti d'Armagnac, et puis de l'autre, le parti bourguignon. Cette question a une importance localement, on va le voir, puisque certains vont se rallier, des Français vont se rallier du côté des Anglais, parce que Anglais et Bourguignons vont trouver une alliance politique entre eux. Alors, il faut remonter un tout petit peu en amont et évoquer quand même, justement, alors je crois que vous l'avez dans votre PowerPoint, la figure d'Henri V hein, qu'on a évoquée dans cette petite scénette. Il est plus... Vous voulez qu'on le... Parler pour évoquer le contexte, justement. Voilà. Et voilà. Henri V est le grand vainqueur de la bataille d'Azincourt qu'on vient d'évoquer. Et elle va rebattre les cartes politiques, en particulier dans le nord du royaume, parce que la noblesse va être particulièrement... Je vous interromps parce qu'on connaît la date de 1515, mais... 1415. Non, je sais. Ah oui, on ne connaît pas bien la bataille d'Azincourt, c'est vrai, 1415. Oui, vous avez raison de me le rappeler. Donc, en 1415, Henri V remporte la victoire de manière presque inespérée et revient quelques temps après entamer la conquête de la Normandie. C'est ainsi que la Roche-Guyon va devenir un point névralgique et une place fort enviable. Et ça va être l'occasion d'un siège, mais dont on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà très rapidement quel est le contexte dans lequel va s'inscrire le siège de la Roche-Guyon. Alors pour faire la transition, il y a quelqu'un qui meurt à Azincourt, c'est le mari de Perrette de la Rivière. Oui. Donc, alors peut-être qu'il serait utile de revenir un tout petit peu sur Perrette quand même. Bah bien sûr. Perrette, en fait, naît entre 1390 et 1400. On ne sait pas très bien identifier la date, parce qu'au Moyen-Âge, on s'intéresse assez peu, au fond, à la question de la naissance, plutôt à celle de la mort. Elle est issue d'une famille qui a des possessions à la fois en Bourgogne. Son père s'appelle Bureau de la Rivière et sa mère s'appelle Marguerite, et c'est la dame d'Honneau. C'est l'héritière d'une grande seigneurie tout près de Chartres. Et donc, Bureau de la Rivière est un personnage important. C'est un des grands conseillers qui entoure le roi Charles V, le roi sage, peut-être le seul grand roi avant Charles VII et Louis XI, le seul grand roi capable de redresser un petit peu la situation dans ce royaume à la dérive. Et Charles V s'est entouré donc d'hommes zélés, des conseillers réformateurs, ce qu'on appelle les marmousets pour les moquer un peu. Et Bureau de la Rivière, donc le père de Perrette, est l'un de ses grands conseillers. Il est très proche du roi. Il va d'ailleurs lui donner des terres, de nouvelles terres en Bourgogne. Il va le désigner aussi comme son légat testamentaire. Il aura même l'insigne privilège d'être inhumé à la basilique Saint-Denis quand même. Donc vous voyez que le père de Perrette de la Rivière n'est pas un obscur personnage. Le changement dynastique, plutôt l'avènement de Charles VI va perturber quelque peu la famille, puisqu'on va renvoyer le père de Perrette dans ses foyers. Et malgré tout, parce que l'homme est sans doute important, il va réussir à placer la petite Perrette dans l'entourage royal, où elle va devenir demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur auprès donc de ce nouveau roi et plutôt de sa nouvelle reine, Isabeau de Bavière, dont vous avez sans doute entendu parler. Elle se fait sans doute... Je l'ai mise quelque part. Isabeau, voilà. Oui, voilà. La voilà avec Christine de Pizan. Exactement, qui lui offre un livre. Les relations sans doute excellentes avec Isabeau de Bavière, puisqu'elle va devenir, Perrette, va devenir dame d'honneur de la reine. Et
Je pense que c'est par l'entremise d'Isabeau que Perrette va conclure un très bon mariage, puisqu'elle va épouser un grand seigneur normand. Ce seigneur, vous le connaissez, c'est Guisset de la Roche-Guyon. Ils vont donc réunir à la fois leurs terres en Beauce, ici dans le Vexin, mais aussi à Paris. Hein. La famille, ou le nouveau couple, va partager sa vie entre la Roche-Guyon, Auneau, et Paris, où ils ont un hôtel particulier, celui de Bureau de la Rivière. Cette existence pourrait être paisible si la guerre civile n'était pas là et va causer le premier drame dans la vie de Perrette. Elle a deux frères, Perrette. Elle a une sœur, elle a deux frères. Son frère aîné, Jacques, est un proche du parti d'Orléans que j'évoquais tout à l'heure. Et il va être assassiné lors d'une émeute parisienne à Paris en 1413. Elle est particulièrement sanglante. Hein. On pourchasse, on traque dans les rues de Paris tous les Armagnacs pour les mettre à mort. Donc il finit assez piteusement de cette manière. Et Perrette et son mari fuient Paris. C'est ici qu'il s'implante, on le comprend bien, dans une forteresse presque imprenable. Et cette forteresse, c'est celle qu'on voit justement sur ce livre de Labour, on y reviendra peut-être tout à l'heure, dans sa configuration assez exacte, à côté du château primitif, on voit bien ce donjon entouré de cette enceinte, et puis donc le château qui est beaucoup plus bas, près de, on ne dira pas qu'il est près de la rivière, mais enfin près de la route. Cette position de repli va protéger la famille un temps. Il y a un épisode un peu particulier qui intervient aussi en 1413. Il y a un des cousins de Guy de la Roche qui décède, laissant une seule héritière, une petite Jeanne qui est encore un bébé. Comme elle porte un très, comment dirais-je, un très gros héritage, on s'intéresse très vite à cette petite fille, à ce bébé. Alors, selon la coutume normande, on demande au roi de prendre la tutelle de l'enfant, qui évidemment a d'autres choses à faire, et va demander à ce cousin, Guy, de s'en charger. Alors, on va chercher le bébé avec 200 hommes de guerre, quand même, hein, pour l'arracher à sa mère. On ramène le bébé ici, et c'est Perrette de la Rivière qui va l'élever, dit-on. Il va y avoir un procès hein, autour de cet enfant, de cette petite fille, comme sa propre fille. Cette vie n'est pas un long fleuve tranquille, puisqu'on arrive justement à Azincourt. En 1415, Guy de la Roche, comme tous les grands nobles de cette région, jusqu'en Picardie, je ne vais pas rentrer dans les détails, est convoqué à l'Ostre royal pour combattre les Anglais après le siège d'Harfleur. Et il va combattre d'ailleurs avec son beau-frère, donc le mari de la sœur de Perrette. Je ne vais pas vous perdre dans les généalogies. Évidemment, je dirais, enfin, cet adverbe n'est pas bien choisi, malheureusement. Guy va trouver la mort avec son beau-frère sur le champ de bataille. Perrette va se retrouver veuve. Elle perd aussi donc son beau-frère après avoir perdu son frère, vous l'avez compris, dans la guerre civile. Cette femme se retrouve donc veuve avec 4 enfants à élever et le château de la Roche-Guyon est son seul refuge. La situation ne pouvait guère s'améliorer puisque Henri V avait prévu de reprendre cet héritage plantagenet qu'est la Normandie. Évidemment, la Roche-Guyon est une place qu'il veut emporter. Alors, il prend Rouen après un an de siège, et en 1419, alors que Vernon, Mantes ont reconnu l'obéissance du roi anglais, Perrette dit non. Elle a une garnison autour d'elle, et elle est bien décidée à se battre. Excusez-moi. Je vais trop vite. Non. Si je suis trop bavarde. Non, non. Ben, vous êtes là pour ça. Non, non. Elle dit non à qui ? Il y a un marché qui lui est fait. Alors cet épisode donc, de 1419 est très intéressant parce que Henri V va confier les opérations militaires à deux hommes, donc le comte de Warwick, Richard Beauchamp, et un homme qu'on va revoir, Guy le Bouteiller. Alors Guy le Bouteiller était capitaine de Rouen, c'est aussi un seigneur normand. Il a sans doute croisé Perrette à la cour parce qu'on sait qu'il a été ambassadeur d'Isabeau de Bavière.
La cour de Charles VI. À la cour de Charles VI. Hein, et donc, mais bon, dans la grande noblesse, hein, on se croise peu ou prou, on se connaît au moins. Donc il connaît Perrette et les deux hommes vont organiser le siège. Warwick lance un premier assaut qui se révèle être un échec. La place tient bon. Mais Guy le Bouteiller a une idée, dit-on, qui est de miner les souterrains du château. Parce qu'on sait que, en fait, entre les différentes parties du château, hein, il y a des boves. Il connaît bien la place. Hein, et là, les mines qu'il place déstabilisent le dispositif défensif. Et Perrette comprend là que les jours de peut-être la châtelaine, en tout cas de la place forte, sont comptés. Donc s'engage toujours. Dans les sièges au Moyen-Âge, on négocie beaucoup. On attend, on transige, on rédige ce qu'on appelle les traités de reddition. Et pour La Roche-Guyon, eh bien, on lui met un marché entre les mains qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'on lui demande de rendre la place, mais aussi d'épouser Guy le Bouteiller. Alors, peut-être est-il tombé en pâmoison devant Perrette, dont on ne connaît pas le physique, mais en tout cas, elle refuse ce mariage, mais elle est obligée de laisser la place pour les raisons que je viens d'évoquer. On sait pourquoi elle refuse, ou pas ? Par force de caractère, dirais-je. Sa mère aussi avait refusé de se marier quand elle a perdu, quand elle a perdu son mari. Donc on a parfois des lignées de femmes fortes, on le verra d'ailleurs à travers Marie aussi, et j'en ai croisé d'autres qui refusent ce mariage forcé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors est-ce que c'est plus ça qu'un sentiment national ou une appartenance aux Valois ? Est-ce qu'on le sait ? Il est difficile de trancher, mais quand même, le fait qu'elle ait refusé de rendre le château au moment où on était encore dans une phase de négociation prouve quand même qu'elle ne veut pas rendre ce château aux Anglais. Et puis bon, n'oubliez pas que son mari est quand même tombé sous le fer des Anglais. Ça ne favorise pas des alliances. Elle fuit. Alors, elle obtient quand même dans la négociation de sortir saine et sauve avec ses enfants de la place et de rejoindre le dauphin, qui entre-temps, ça c'est un autre épisode diplomatique qu'on connaît mal, s'est réfugié donc au sud de la Loire parce qu'il a commandité et trempé dans l'assassinat du duc de Bourgogne, et c'est à nouveau la guerre civile qui revient sur le plan politique, là, et qui s'invite. C'est-à-dire qu'on va déshériter le dauphin. Donc elle entre presque en sécession, en rébellion, en rejoignant celui que la diplomatie a déclaré comme hors la loi. Charles VII n'est pas reconnu comme tel. Alors, c'est le traité de Troyes, hein, en 1420, qui donne la couronne de France au roi anglais, celui-même qui a battu les Français à Azincourt. Donc, Perrette s'installe dans un autre environnement, mais aussi dans l'environnement d'une autre femme, c'est intéressant de le souligner, après avoir été dame d'honneur d'Isabeau de Bavière, qui a joué un rôle plutôt ambigu dans le traité de Troyes. Elle sent un peu le soufre, mais je ne sais pas si on a le temps. On y reviendra peut-être dans les questions, Isabeau de Bavière. Elle se rapproche et devient dame d'honneur de l'épouse du dauphin, de Charles VII. Donc elle devient à nouveau dame d'honneur de Marie d'Anjou. Et elle va rester très proche de cette femme tout au long de sa vie. Charles VII... je vais un peu trop vite. Cette proximité, cet entourage royal me permet d'imaginer que lorsque Jeanne d'Arc vient rencontrer Charles VII à Chinon, Perrette de la Rivière est peut-être là. Dont on n'a jamais parlé, mais c'est assez vraisemblable, étant très proche de la reine et sa première dame d'honneur. On va peut-être passer d'ailleurs à notre à Jeanne d'Arc. Avant, le château, donc Guy le Bouteiller, ne sera, est-ce qu'on dit libéré, en tout cas repris par les Français, par Charles VII, en 1400, je ne me trompe pas, 49. Il faudra quand même attendre 30 ans. C'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que Charles VII va lui donner une autre terre,
en Poitou, à Saint-Mexant, où elle va devoir, là aussi, alors peut-être pas batailler, mais en tout cas résister dans l'abbaye fortifiée contre des princes révoltés. Ce qu'on appelle la praguerie, c'est un peu compliqué, je n'entre pas dans les détails. En tout cas, elle combat là aussi pour le roi. Donc c'est une femme forte, hein, et je pense que même si elle n'a pas l'aura de Jeanne d'Arc, c'est important de le rappeler. Et effectivement, donc, son fils va revenir bien plus tard, reprendre la place. Malheureusement, hein, il va mourir avant sa mère, et ce sont tous ces héritages qui bientôt vont confluer vers la seule héritière, qui est une petite fille, Marie. Dont on parle cet après-midi, avec quelqu'un que je connais bien, puisqu'elle a fait sa maîtrise avec moi, et je suis très heureuse de la retrouver aujourd'hui, sur l'héritage justement de Marie de la Roche-Guyon. Et donc, en 1461, lorsque Marie d'Anjou meurt, hein, on voit bien que Perrette se retire des affaires, si je puis dire, de la vie politique. C'est à ce moment-là aussi qu'elle cède ses biens à sa petite-fille. Bon, on voit que le chronoscaf qu'on utilise nous permet d'aller rapidement d'une époque à une autre. Alors, Guy Le Bouteiller, c'est quand même un personnage intéressant. Alors, quelques minutes sur Guy, oui. Le Bouteiller, et après on va sur Jeanne d'Arc. Parce que, il va s'installer à partir de 1436 de manière permanente dans le château. Et donc, il fait réaliser ce magnifique livre qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Philadelphie, qui s'appelle « Le livre de labour », qui nous permet d'avoir... Alors c'est les vigiles de Martial Levergne. Voilà. Qui nous permet d'avoir une image au XVe siècle de ce château. Malheureusement, alors je ne sais pas comment... Parce que je connais mal l'histoire de ce manuscrit, comment il a... fini, mais peut-être que vous nous en parlerez à Philadelphie. Je vous raconterai, parce que j'ai eu la chance d'aller à Philadelphie. Oui, vous m'avez dit. On a beaucoup de manuscrits qui ont malheureusement disparu au XVe siècle, soit entre les mains des Anglais, enfin beaucoup entre les mains des Anglais, ce qui explique que parfois ils se retrouvent outre-Atlantique. Alors, moi je vais vous poser une question sur Guy Le Bouteiller, traître, ou c'est une notion qui ne veut rien dire à cette époque? Ça veut dire quelque chose quand même. D'ailleurs, dans les textes, on évoque ces gens qui ont tourné Kazakh, si je puis dire, comme des individus qui ont tourné Anglois. Hein, et donc, ils ont rejoint le camp des Anglais. Et Guy Le Bouteiller est très proche de ces Anglais sur le continent. On reviendra peut-être sur Jeanne d'Arc, mais au moment, ah oui, oui, au moment du siège, on sait qu'il est là aussi pour faire ce qu'on appelle la montre d'armes des Anglais. Hein, parce qu'on tient des comptabilités au Moyen-Âge, il ne faut pas croire. Et donc, on liste les capitaines qui sont présents pour les rétribuer. Et c'est ce qu'on appelle des montres d'armes. Donc, il est présent au moins au début du siège. On sait qu'en 1431, Guy Le Bouteiller est là encore pour le sacre d'Henri VI à Notre-Dame. Donc c'est un personnage influent. Mais pour revenir à votre première question, oui, il a trahi. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il y a d'autres textes, d'ailleurs, qui évoquent les faux Français, hein, ceux qui ont trahi, tandis qu'il y a les bons Français qui ont porté le parti du roi et donc de Charles VII. Et si on évoque l'émergence de cette notion de nation et de patriotisme, c'est bien parce que ce sentiment naît à ce moment-là, dans la confrontation avec les Anglais, c'est évident. Alors, je voudrais quand même qu'on aborde Jeanne d'Arc, et peut-être, si on a le temps, d'autres femmes qui ont eu un rôle dans cette guerre. Alors, une date comme une autre, 21 février 1431, c'est le début du procès de Jeanne d'Arc à Rouen. Alors, il n'est pas question, là, on n'a pas le temps de refaire tout le parcours, je conseille votre livre. Dites-nous d'abord un peu comment, quel était son caractère. Dans votre livre, vous parlez de plusieurs choses, vous dites qu'elle était, elle était drôle, elle était bonne, elle était colérique, elle était courageuse, elle était impulsive. Quel est un peu le portrait qu'on peut avoir de Jeanne d'Arc? Reprenant ces termes, vous l'avez fait. Ah, c'est vous. c'est une jeune femme qui paraît très spontanée, très joyeuse, parce qu'effectivement,
les témoignages évoquent sa propension à rire, mais les hommes et les femmes du Moyen-Âge aiment bien rire. Ils aiment bien se moquer. Ce qui n'est pas le cas de Jeanne d'Arc, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'humour est très présent dans cette société médiévale. C'est une femme aussi, évidemment, profondément pieuse, profondément charitable. C'est une femme qui a, évidemment, même si, je ne sais pas s'il est utile de le rappeler, beaucoup de caractère, une force de caractère extraordinaire qui la tient à la fois sur les champs de bataille, mais qui la fera tenir aussi pendant ce procès particulièrement difficile. Elle est toute jeune encore, même au procès. Elle a quel âge ? Elle a 19 ans, pardon, j'évoquais ça. 19 ans. Mais en fait, au Moyen-Âge, on a tendance... à la qualifier de pucelle, enfin on la qualifie même de pucelle, parce qu'à cet âge-là, elle aurait pu être une femme mariée. Donc là encore, il faut faire attention aux anachronismes, ça n'est pas une toute jeune fille. Ça n'est pas une toute jeune fille. Et c'est bien pour ça qu'on la distingue comme telle. C'est celle qui a refusé de se marier, précisément pour s'engager dans une forme de sainteté, même si c'est une sainteté guerrière, elle a fait ce choix-là, alors que... Bon, d'autres petites filles du monde laïque hein, peuvent engager, et c'est le cas de Jeanne d'Arc, des fiançailles, puisqu'on va lui reprocher, dès l'âge de 14-15 ans. Alors, ce qui explique peut-être sa longévité la historique, vous dites, parce qu'il y a eu énormément d'attaques, dans la cour de Charles VII, elle ne fait pas l'unanimité, loin de là, et vous dites à un moment... Elle est restée une femme du peuple et on l'a reconnue comme telle. Donc ce côté que vous décrivez dans votre livre, où elle est déjà soutenue par le peuple. Oui. Alors en fait, ce qui est plutôt curieux, alors on peut revenir justement très rapidement à l'exemple de Perrette de la Rivière. Les femmes de la noblesse qui sont amenées, parce qu'elles sont veuves, souvent, à défendre les places fortes, on en connaît d'autres. Parce que ces femmes de la noblesse vivent depuis très longtemps dans l'environnement de ces hommes d'armes, dans la cour du château. Elles savent aussi ce qu'est une garnison. Donc on en voit d'autres exemples de femmes qui tiennent des forteresses, à l'exemple de Perrette. Des femmes du peuple qui s'investissent comme ça, armes à la main, sur les champs de bataille, c'est beaucoup plus rare. Et d'une certaine manière, elle est un contre-modèle. Les femmes du peuple qui combattent, ce sont des femmes qui, surtout, se manifestent au moment des sièges. C'est-à-dire qu'elles vont venir aider les hommes sur les murailles, parfois les remplacer quand ils sont fatigués. On a des exemples hein, comme ça, où on dit les femmes et les enfants viennent jeter des pierres sur les assaillants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il y a un autre exemple de femmes du peuple qui s'investissent aussi dans la guerre, c'est toutes celles qui, en particulier pas très loin d'ici, dans la Normandie occupée, vont avoir un rôle de résistante contre les Anglais, puisque à partir de 1419, on peut dire que toute la Normandie est occupée, sauf qu'il y a des foyers dans lesquels on trouve aussi des femmes. Certaines ont été exécutées comme étant donc soit des espionnes, soit des femmes qui ont... eu une action résistante. On les qualifie de brigands, hein, ceux qui s'opposent aux Anglais à ce moment-là. Donc Jeanne appartient à ce mouvement de résistance populaire, mais elle prend les armes et elle va surtout se placer à la tête d'une armée où il y a des hommes d'armes, des hommes de la noblesse. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. À un moment, vous écrivez, sa part dans la victoire relève sans doute davantage de la psychologie de groupe que de l'art de la tactique. C'est vrai. Alors c'est un peu discuté. Au moment du siège de Troyes, qui n'est pas vraiment un siège, c'est le chemin qui conduit le roi jusqu'à Reims, on dit qu'elle commence à disposer les hommes pour préparer le siège et ses témoins disent qu'elle s'y entend très bien dans l'art du siège. Sans doute que Jeanne a appris très tôt, on dit que Jean d'Alençon lui a appris à chevaucher lance baissée, donc elle apprend de là à dire qu'elle a une véritable tactique sur les champs de bataille,
D'ailleurs, elle est parfois même contestée pour les hommes d'armes eux-mêmes. Je pense qu'elle emporte surtout l'enthousiasme de ses combattants pour les conduire jusqu'à la victoire. Et c'est important, c'est même déterminant que ce mental dans le combat. Donc c'est vraiment comme ça, cet esprit fédérateur qui aussi apporte une légitimité dans le combat de cette armée du dauphin. N'oubliez pas qu'il doit prouver sa légitimité puisqu'il a été exclu du pouvoir. Donc Jeanne, parce qu'elle est une messagère de Dieu, dit « Si Dieu nous apporte la victoire, et il nous apportera la victoire, c'est parce que la légitimité est bien du côté du dauphin. » Il y a un aspect qui peut paraître annexe, mais moi qui m'a fasciné dans votre livre, et qui résonne encore aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de son habit, puisqu'elle est habillée en homme. Et ça revient souvent, c'est un des actes d'accusation, quand elle est accusée d'hérésie, de sorcellerie. Et ça, c'est un aspect très important. Je crois que c'est l'article 12. Vous pouvez nous dire pourquoi, en tout cas pour ces juges, c'était un acte d'accusation très grave, le fait qu'elle soit habillée en homme. Alors, vous le savez tous, hein, le procès en condamnation de Rouen est un procès politique. Il n'y a pas de meilleure formule qu'un procès politique que de le classer, de l'instruire en procès d'hérésie. Parce que les arguments sont d'abord discursifs. Il s'agit de prouver que la personne qui est en face de vous a de mauvaises pratiques religieuses et qu'elle ne croit pas au saint reconnu et je dirais à l'orthodoxie catholique. Alors, ce qui va se passer dans le procès de Rouen, c'est que la piété de Jeanne est quand même difficile à contester. Alors ils vont se rattacher à un argument matériel, et cet argument matériel, ou cette preuve, c'est l'habit d'homme, qui est un argument fallacieux. Parce que, vous le savez, lorsque Jeanne a voulu rencontrer le dauphin, on lui a fait subir un certain nombre d'examens spirituels, mais aussi corporels. Donc on s'est assuré qu'elle était bien vierge et donc pure d'esprit et de corps. Et on l'a évidemment interrogée sur sa piété. Et à Poitiers, les prélats qui l'interrogent ne voient aucune difficulté à ce que cette jeune femme revête un habit d'homme. Comment chevaucher en robe et comment se déplacer rapidement à cheval si ce n'est en portant des habits d'homme? Donc il y a un homme qui est une éminence à ce moment-là, c'est le chancelier de l'université, Jean Gerson, qui dit « mais non, la fin justifiant les moyens », c'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais enfin c'est l'esprit. Si Jeanne doit porter un habit d'homme, il n'y a pas de problème d'hétérodoxie. Les Anglais vont se servir de l'argument, et même de manière assez contournée, puisque, comme vous le savez, elle va refuser pendant très longtemps de porter une robe, et elle va accepter de le faire à condition d'être enfermée dans une prison de femmes. C'était ça le marché, hein, au moment du procès. Sauf qu'on va lui retirer ses habits d'homme, et dans cette situation, on va lui jeter des habits d'homme dans sa cellule, qu'elle n'aura d'autre choix que de reporter. Et en plus, bon, il va y avoir aussi sans doute une agression dans sa cellule. Enfin bon, il y a différents éléments qui prouvent que de toute façon, elle est obligée de remettre ses habits d'homme. Et c'est parce qu'elle est retombée dans l'erreur en reportant à nouveau ses habits d'homme alors qu'elle avait promis de ne plus jamais les porter qu'elle est condamnée comme relapse. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais tout à fait. Non, l'argument de l'habit ne tient pas. J'ai trouvé des exemples dans les armées où on voit des femmes. D'ailleurs, on leur dit qu'il ne faut pas chevaucher, habillés comme des pages, ce qui prouve qu'il y en a. Donc c'est vraiment parce qu'il fallait trouver la preuve tangible de son exécution et de son erreur. Merci beaucoup, on pourrait continuer à en parler, mais on va laisser un peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois rien du tout. Donc. Allez-y. Ça porte un micro.
Alors, Isabeau de Bavière, on l'a d'ailleurs accusé sur sa réputation, était très proche de Louis d'Orléans. Mais à partir du moment où Louis d'Orléans a été assassiné par les hommes du duc de Bourgogne, Isabeau de Bavière a survécu à la cour aux côtés d'un roi, comme vous le savez, qui a perdu la raison. C'est d'ailleurs intéressant parce que l'épisode... Le premier épisode qui marque le début de la folie du roi, hein, c'est 1392. Et on pense que Charles VI, justement, est passé par le château de Perrette, puisque par son père, elle avait hérité du château d'Auneau. Donc Charles VI est passé par ce château avant de s'engager dans la forêt de Mans, où eh bien, il y a eu cet épisode assez terrible où il a eu cette première crise de folie. Donc Isabeau se trouve profondément isolée à Paris, avec un roi qui retrouve rarement par émission la raison. Et donc il faut bien imaginer que cette femme est isolée et qu'elle devient au fond de plus en plus manipulable. Alors... Son fils a voulu d'ailleurs l'éloigner de Paris. Les Bourguignons sont venus reprendre Isabeau et l'ont emmenée à Troyes. Et c'est à Troyes qu'ils ils ont fait pression sur elle, parce qu'en fait elle a quasiment un rôle de régente, pour signer avec le duc de Bourgogne et Henri V le fameux traité de Troyes, donc qui déshéritait son fils et cédait la couronne de France à Henri V lorsque Charles VI serait mort. Donc on ne peut pas dire qu'elle était pro-Armagnac, elle était proche de Louis d'Orléans tant qu'il était vivant, et puis, bon, ma foi, elle s'est trouvée prise dans les aléas de cette guerre civile, et par force, était proche des Bourguignons. Merci beaucoup. Monsieur ? Oui, quand Perrette de la Rivière est dépossédée de son château en 1419, en réalité, Isabeau est toujours reine de France, le traité de Troyes n'est pas signé, elle a été dame d'honneur d'Isabeau. Elle ne se tourne pas vers Charles VI et Isabeau, mais va vers Charles VII, qui n'est pas encore Charles VII, qui est juste le dauphin, et pas en dehors de sainteté. Comment se fait-il ? C'est extrêmement complexe, c'est-à-dire que les relations sont difficiles. Comment se fait-il qu'elle ait fait ce choix particulier qui n'est même pas... elle ne fait pas le choix royal normal. Elle fait un choix qui est un choix, dans ce que vous disiez, c'était une déclaration en disant qu'elle était fidèle à son roi, mais en réalité, non, elle n'est pas fidèle au roi, elle va être fidèle au dauphin qui n'est pas encore roi. Quand je dis le roi, c'est parce que j'englobe aussi le dauphin. Quand elle rend la place de la Roche-Guyon, on ne sait pas précisément quand elle arrive à Chinon. Rien ne dit qu'elle n'ait pas transité par Paris et qu'elle ne se soit pas arrêtée un temps ou qu'elle ait rejoint Isabeau. Quoi qu'il en soit, l'assassinat du duc de Bourgogne en 1419 complique encore plus la situation politique. Les clans opposés sont encore plus violents. Et quoi qu'il en soit, par son frère, mais aussi par tradition, c'est quand même plutôt dans le camp légitimiste que se situe la famille de Perrette. Peut-être rejoint-elle Chinon en 1420, mais quoi qu'il en soit, c'est un choix politique qu'elle fait. N'oubliez pas non plus que même si Charles VII est couronné quelques années plus tard, en 29, c'est quand même en 1422 que lui-même se reconnaît roi. Donc il y a deux rois à ce moment-là. Oui, parce que lorsque Charles VI meurt, Charles, lui, se fait couronner à Bourges. Donc il n'a pas la pleine légitimité, mais il l'a quand même. Et quoi qu'il en soit... Perrette fait un choix politique, c'est évident. Alors, peut-être pas tout de suite en 1419, peut-être en 1420, là on est vraiment, on joue sur un intervalle de quelques mois. Mais le fait qu'elle ait quand même refusé la place aux Anglais et puis qu'après elle rejoigne le camp du dauphin est un geste politique. Merci. Est-ce que je peux introduire une hypothèse dans ce déplacement ? Parce qu'il est aussi possible qu'ayant quitté la Roche-Guyon, Perrette de la Rivière se soit rendu chez sa mère au château d'Auneau, sa mère qui était donc la veuve de Bureau de la Rivière, Marguerite d'Auneau,
Souvenez-vous que son frère avait été assassiné par des bourguignons. Et la famille de Marguerite Donneau, qui elle-même est veuve, refuse de se marier et garde son château, est très proche des Orléans. Et d'ailleurs, son château va être encerclé aussi par les bourguignons. C'est une famille qui est proche des Orléans depuis très longtemps. Donc voilà, cette filiation légitimiste, elle est bien ancrée. Merci. Une autre question ? Non ? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, vraiment un très très grand merci.